Bonjour les enfants, cette semaine en mathématiques, nous allons apprendre à remplir un tableau à double entrée. Qu'est-ce que c'est un tableau à double entrée? Eh bien, je vais vous montrer grâce à un travail sur des bateaux et sur des passagers, des gens qui montent sur le bateau. Allez, je vous montre tout de suite ce tableau à double entrée. Voilà les enfants. Donc ça, c'est le travail que vous allez faire cette semaine avec Monsieur Zouglouglou ici. Alors vous voyez, là, il y a des colonnes à côté du bateau. C'est la colonne des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et en dessous du bateau, il y a un petit bonhomme. C'est un passager. Et donc ici, la colonne est vide. C'est vous qui allez écrire. Alors, qu'allez-vous écrire? Je vous montre tout de suite. Regardez. Tous les jours, vous allez regarder une petite vidéo qui va vous montrer. Je vous partage tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, tous les jours, vous allez voir cette petite vidéo, les enfants, où on voit un petit bateau qui circule sur l'eau, qui navigue sur l'eau. Et ce bateau, il va prendre des passagers. Les passagers vont monter sur ce bateau. Et ce bateau va continuer à prendre d'autres passagers. Et vous, les enfants, vous allez devoir compter ou calculer combien de passagers il y a sur le bateau à la fin. Par exemple, ici, regardez, il y a un passager sur le bateau. C'est pas bien. Un passager sur le bateau. Ensuite, il y a un deuxième passager sur le bateau. Et encore deux ici. Alors, il faudra calculer. Un et un, ça fait combien? Et deux. Et ensuite, deux et encore deux, ça fait... Ça fait 4, exactement. Alors, quand vous avez trouvé, vous allez reprendre le tableau à double entrée, ici. Et vous allez écrire, lundi, il y a 4 passagers. Je vais choisir une couleur. Voilà, on a trouvé 4. Lundi, sur le bateau, il y a 4 passagers. Voilà. Tous les jours, il y aura une petite vidéo et vous allez écrire en dessous. Par exemple, demain, mardi, vous écrirez combien il y a de passagers. Mercredi, pareil. Jeudi et vendredi. Voilà, c'est le travail de la semaine, les enfants, en mathématiques, sur les tableaux à double entrée et sur les petits problèmes. Au revoir, les enfants. Bon courage.